Connaissant à Dieu pour toute cette semaine. Qui était là cette semaine? Waouh! Merci pour ces instants que Dieu nous a permis de passer dans sa présence. Amen. On a passé une très bonne semaine et je crois que Dieu nous a fait du bien. Et je crois, je disais à mon épouse hier que je n'ai pas trouvé une église, j'ai trouvé une famille. Amen. Désormais, je peux me tromper et puis arriver à Dakar. Je sais que j'ai une famille à Dakar. Amen. J'ai été vraiment béni de passer cette semaine avec vous. J'ai été bien accueilli, bien reçu. Ils sont... Ma femme était témoin. Donc, je n'ai pas besoin de faire le compte rendu. Elle était là aussi. Amen. Et je voudrais bénir Dieu également pour Papa Félix. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Dieu pour sa vie, pour son ministère, pour la qualité de son leadership? Amen. Vous savez j'ai passé toute la semaine à l'observer, à le regarder, à regarder la qualité de son leadership. Et c'est un homme exceptionnel. Amen. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Merci également à maman et puis à tous les pasteurs de l'église. Merci au RAC. Et puis merci à toi qui es là ce matin. Est-ce que tu peux baisser la tête? On va prier le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci. Pour ces instants importants. Ne nous laisse pas ce matin non plus le droit de dire ce que tu n'aurais pas dit, ni le droit de faire ce que tu n'aurais pas fait. Que ton esprit vienne remplir ce lieu et que ta parole vienne changer nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Amen. Amen. Euh, on va prendre nos Bibles dans Luc chapitre 15. Luc au chapitre 15. Luc. Chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 15. Verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, si ton voisin ne retrouve pas, il te donne 100 francs. À chaque verset, il te donne 100 francs. Jusqu'à dimanche, il, va, il aura lu toute sa Bible. Amen. Luc chapitre 15, verset 1. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes murmuraient en disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 3. Mais il leur dit cette parabole, il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller, tout le monde peut dire pour aller, Allez. dis ça plus fort s'il te plaît, Allez. pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel, n'est-ce pas, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia, parole du Seigneur, amen. amen. Qui connaît ce texte Ok. C'est un texte assez célèbre, n'est-ce pas? Et, et c'est un texte, je pense que parmi les textes du Nouveau Testament, particulièrement parmi les textes des Évangiles, c'est l'un des textes les plus déterminants. Amen. Parce que c'est un, un des textes qui nous révèle les intentions qui sont dans le cœur de Dieu. Vous savez, parfois, euh, on, peut dé, on peut définir le caractère d'une personne à ses façons de réagir à certaines situations. Amen. Et. Si vous voulez voir comment l'un et l'autre sont, il, de mettre, il suffit parfois de mettre une situation ou la même situation devant deux personnes différentes et d'observer leurs deux réactions différentes. La réaction d'une personne ou d'une autre devant une situation va déterminer la qualité, de, ou plutôt les motivations qui sont dans le cœur d'une ou d'autres personnes. Et ce texte de Luc 15 est important parce que la réaction de cette, qui est dans cette parabole nous montre les intentions qui sont dans le cœur de Dieu. Ce matin, je vais vous parler sur le thème Libérer les richesses des nations. Répète avec moi, libérer. libérer. Non, Dieu est un peu froid, ce n'est pas bon. Dis libérer, libérer. les richesses, les richesses. Des, nations. des nations. Vous savez, tout ce que Dieu fait selon le livre de Proverbes au chapitre 16, il le fait pour un but. La Bible même dit, et va plus loin en disant, qu'il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui ne réagit pas Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui planifie avant de faire, qui pense avant d'agir et qui réfléchit avant de mettre les choses en œuvre. Et tout ce que Dieu a fait sur la terre, toutes les choses qu'il a déposées dans l'univers, il les a déposées pour atteindre un objectif. Il est donc important quand vous voyez une ressource ou quand vous voyez un élément sur la terre de déterminer pourquoi est-ce que Dieu l'a créé. Dieu a fait l'homme pour un but. Dieu a fait la terre pour un but. Dieu a fait le ciel pour un but. Dieu a fait même les méchants, la Bible dit dans Proverbe 16, pour le jour du malheur. Est-ce que vous êtes avec moi Et dans Luc chapitre 15, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver dans Luc 15 ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce qui est comme un battement de cœur. Vous savez, chacun de nous ici a une chose pour laquelle son cœur bat. A, a quelque chose qui, qui conduit sa vie et qui fait que tous les matins, tu trouves la force, malgré les défis de la vie malgré les difficultés par lesquelles on passe, il y a une chose qui fait battre ton cœur, qui fait que le matin, malgré les difficultés, tu trouves la force de te lever pour continuer à aller à l'école, continuer à aller au cours, continuer à aller au travail, continuer à faire les activités qui pourtant ne marchent pas comme tu veux. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui est comme un moteur et qui fait que malgré les difficultés, malgré les oppositions, tu trouves la force de continuer à avancer. Est-ce que tu vois de quoi je parle et dans le cœur de Dieu, il y a une intention éternelle. Il y a un projet qui ne va pas changer, quelles que soient les tenues que le monde va prendre, quelles que soient les difficultés, les oppositions que le monde va rencontrer, quelle que soit la qualité des démons que le diable va relâcher sur la terre. Il y a une intention dans le cœur de Dieu qui ne va jamais changer. Cette intention l'a fait sortir de l'éternité. La Bible dit dans Timothée que Dieu habite un endroit ou plutôt un lieu inaccessible. Qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu, la Bible, d'ailleurs, quand Dieu se révèle à Israël, il se révèle comme Je suis. Ça veut dire l'éternel, celui qui est immuable, qui n'est qui est pas dans, dans, dans l'espace temporel, celui qu'on ne peut pas conjuguer ni au passé, ni au présent, ni au futur. Il se présente comme celui qui est. Il est une vérité permanente. Et Dieu n'avait pas besoin de sortir de l'éternité pour entrer dans le temps et dans la fugacité. Jésus est venu mourir, naître un jour, etc., vivre pendant trente et quelques années. Il n'avait pas besoin de sortir de l'éternité pour entrer dans le temps. Mais il y a quelque chose qui était dans le cœur de Dieu. Depuis l'éternité, qu'il a fait quitter l'éternité et venir dans le temps pour faire une œuvre sur la terre. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu à créer le monde. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu à, à, à faire tout ce qu'il y a dans l'univers et à faire Adam. Et Ève pour diriger ou pour gouverner tout ce qu'il avait créé. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu, même quand Adam avait chuté, même quand Adam s'était détourné de lui et Ève, il y a quelque chose qui a poussé Dieu à sacrifier un animal pour les revêtir d'habits de peau, pour qu'ils ne puissent pas tomber de façon définitive dans le péché. Il y a quelque chose qui a poussé Dieu à préparer son propre fils, l'envoyer sur la terre, le regarder être frappé, maltraité, insulté, crucifié, enterré. Ressusciter le troisième jour et revenir à la vie pour donner quelque chose à l'humanité. Il y avait une intention éternelle dans le cœur de Dieu. Et dans Luc chapitre 15, on peut voir, par la réaction que Dieu a, on peut voir la pensée qui était dans son cœur. La Bible dit qu'un homme a 100 brebis et que l'une seule, ou pardon, une seule d'entre elles euh, quitte le troupeau et s'égare. Et il abandonne les 99 dans le désert. Où ça Vous savez ce qui me choque C'est qu'il aurait au moins pu les mettre en sécurité avant d'aller courir après la seule brebis qui s'égare. Dans les calculs humains et naturels, vaut mieux gagner 99 et perdre une plutôt que de perdre 99 en voulant sauver une. Moi, certainement que beaucoup d'entre nous ici auraient laissé la seule brebis s'en aller. Et préserver les 99. Surtout qu'on est dans le désert. Vous savez, l'une des choses à, à laquelle parfois on ne fait pas attention dans ce texte, c'est qu'on est dans le désert. Qu'on a des brebis, on les conduit où Donc, ça veut dire qu'en fait, le troupeau lui-même n'est même pas encore en sécurité. Écoutez-moi bien. On est dans le désert. Il n'y a même pas d'herbe, il n'y a pas d'eau, etc. Et une seule brebis s'égare. Mais la réaction de ce berger nous montre les intentions qui sont dans le cœur de Dieu. Vous savez, parfois à l'église, petite parenthèse, c'est que parfois l'église, avait l'impression qu'on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas suffisamment occupé de nos besoins ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore euh, Aller faire une grande croisade dans telle ville. Aller faire... Mais l'église, cet argent-là, l'église pourrait faire pour s'occuper des pauvres de l'église, des gens qui ne travaillent pas. On pourrait faire une petite activité pour eux. Etc. Vous n'avez pas cette impression souvent Bon, je sais que vous n'allez pas dit. Mais on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment... Euh, on ne s'est pas suffisamment encore occupé des choses de l'Église. Mais pourquoi est-ce qu'on va mettre autant d'argent pour aller encore en mission, aller encore faire ceci, aller encore dans telle ville, aller encore implanter une église dans telle, et, et, et acheter un terrain dans tel endroit, etc. Parfois, l'Église même a encore des défis. Mais on demande de, de, de cotiser de l'argent pour acheter un terrain dans telle ville, pour qu'on puisse bâtir une église là-bas, etc. etc. Et, 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 et le texte qu'on lit nous montre que les 99 qui étaient déjà dans le pâturage, ou plutôt qui appartenaient déjà au maître, euh, sont restés dans le désert. Dans le désert, ça veut dire sans eau et sans point de nourriture. Malgré que les 99 n'ont pas tous leurs besoins comblés, le maître les abandonne. Ou plutôt, il les laisse, parce que ce n'est pas un abandon. Il les laisse dans le désert et il s'en va chercher la seule brebis qui s'est éloignée du troupeau. Et là, on peut voir le cœur de Dieu. On peut voir sa passion pour les âmes perdues. Vous savez, si vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas les âmes qui n'ont pas encore rencontré Jésus, votre amour pour Dieu n'est pas complet. Alléluia. Amen. Quand on épouse un homme, on l'épouse avec ses fardeaux. Tu hum? si vois une femme qui épouse un monsieur qui est footballeur. Et puis à chaque fois qu'il regarde le football, elle dit, mais toujours toi, tu regardes le football. Ah, toi aussi. Ça veut dire que tu l'as épousé. Tu as épousé son visage Tu n'as pas épousé ses fardeaux Et si tu marches avec Jésus Si tu l'as accepté, que tu l'as reçu Et que tu n'as pas reçu ses fardeaux Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton amour qui n'est pas clair Amen Ce matin je vais parler avec vous rapidement Des trois partenaires de la mission Directement les trois partenaires de la mission Quand Dieu a fait le monde, voyez-moi dans Genèse, Dieu a fait, il a fait le monde avec un processus. Il a d'abord fait tout ce qu'il avait à voir dans le monde avant de faire celui qui allait gérer les richesses. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que diriger si on n'a rien sur lequel on doit diriger C'est pour ça que Dieu a fait d'abord la terre et tout ce qu'elle contient ensuite il va faire celui qui va diriger la terre et tout ce qu'elle contient c'est pour ça que vous allez voir que le premier jusqu'au cinquième jour Dieu fait la terre et tout ce que la terre contient et le sixième jour dieu fait l'homme qui est censé diriger ou gouverner ou dominer sur la terre et sur tout ce qu'elle contient en fait dans l'intention de Dieu tout ce que la terre contenait devait servir à un but euh, Dieu fait d'abord du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 Dieu fait les ressources de la terre et au chapitre 6, Dieu fait celui qui va administrer les ressources de la terre, ou si vous voulez, les richesses de la terre. Et, et dans la pensée de Dieu, en fait, les richesses devaient servir pour le mandat que Dieu allait donner à l'administrateur des richesses. Parce que si vous envoyez quelqu'un en mission, le minimum, c'est de lui donner la capacité, les moyens d'accomplir la mission. Pour laquelle vous l'envoyez. Si vous dites à votre enfant, je t'envoie à la boutique m'acheter une bouteille d'eau, vous ne comptez pas sur le fait que lui va donner son propre argent pour acheter la bouteille d'eau. Vous lui donnez les moyens d'acheter ce pourquoi vous l'avez envoyé. Et quand Dieu devait envoyer Adam sur la terre, il a pris le temps. Il a préparé la terre, préparé les semences, préparé les animaux, préparé les champs. Préparer le ciel, préparer tout ce qu'il avait, tout ce dont il allait avoir besoin pour accomplir le mandat que Dieu allait lui donner. Quand il finit de faire tout ça, ensuite au chapitre 27, 26, 27, 28 et autres, il va faire l'homme et il va le déposer dans la création qu'il avait déjà euh, 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 réalisée. Et écoutez-moi bien, c'est après avoir fait tout ça qu'il va dire à Adam. Maintenant, domine sur la terre et dirige-la pour moi. Ça veut dire que dans la pensée et dans le processus divin, Dieu donne toujours les moyens d'accomplir un but. Vous êtes avec moi Dis avec moi les moyens d'accomplir un but. Dieu ne donne jamais de but sans moyens. Vous êtes là Regarde-moi, dis à ton voisin Dieu ne donne jamais de but sans moyens. Et comme il savait qu'il allait déposer un mandat sur Adam, il a d'abord pris le temps de créer tout ce dont Adam allait avoir besoin. C'est pour ça, en fait, que Dieu, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne répond pas à nos prières en créant ce dont nous avons besoin. Il répond à nos prières en nous révélant que ce dont nous avons besoin est déjà disponible. Si vous lisez bien le Nouveau Testament, Dieu n'annonce pas qu'il va pouvoir. Dieu annonce qu'il a pourvu à nos besoins. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que quand l'église prie, par exemple, pour tel ou tel besoin, Dieu convertit une âme capable d'acheter ce dont l'église, par exemple, a besoin. Parce que la provision divine est déjà là et il faut que Dieu envoie les personnes qui ont la provision entre leurs mains. Parce que Dieu a déjà fait les moyens qui vont concourir au but pour lequel Dieu fait les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Et, 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 et l'une des choses que je vous dire ce matin, c'est que les richesses dans le monde n'ont pas été créées pour qu'on ait beaucoup de voitures. Beaucoup de maisons. Les richesses ont été créées par Dieu pour atteindre ses objectifs. Amen. Si Dieu a placé l'abondance dans l'univers, c'était pour atteindre ses propres objectifs. C'est parce qu'il savait que la mission qu'il allait confier à Adam avait besoin de ressources pour y arriver. Vous êtes avec moi Dis à ton voisin, Dieu a créé les richesses du monde. C'est comme ça que vous êtes au premier culte. Dit Dieu a créé, les du monde. a créé les richesses du monde. Voilà. Je sais que au premier coup on se réveille tôt, donc la voix est un peu cassée. Mais dit une dernière fois. Dit Dieu a créé les richesses du monde, a créé les richesses du monde. Pour, atteindre ses pour atteindre ses objectifs. Et Luc 15 nous montre l'objectif ou la pensée ou le projet qui est dans le cœur de Dieu. Et pour atteindre ce projet, l'une des choses qui m'a marqué dans Luc 15, c'est que la Bible dit qu'il laisse les 99 brebis. Pour aller. Dis avec moi, pour aller. L'une des choses qui n'est pas dite dans l'expression pour aller après la seule brebis ce sont les moyens que s'engage pour y aller. Amen. Vous savez, il euh, 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 y, y avait des risques. Il y avait euh, le risque non seulement de perdre ceux qui sont déjà là, mais il y avait aussi le risque de, de se perdre dans le désert. Il y avait le risque d'avoir soif, etc. etc. Donc il y a des noms dits dans le fait que Dieu... Euh, le, le berger aille après la seule brebis. Ça allait engager des efforts. Ça allait engager des efforts de recherche. Il allait courir après la brebis. C'est des non-dits. C'est une parabole. c'est une parabole. Ça veut dire que Dieu utilise une histoire pour raconter quelque chose d'autre. Donc, il y avait des non-dits dans le fait qu'il allait laisser les 99 pour aller après la seule brebis. L'expression pour aller veut dire que Dieu allait engager, ou plutôt que le berger allait engager des forces, des énergies, des efforts, etc. etc. Et ces efforts-là représentent les ressources dont on a besoin pour atteindre les objectifs qui sont dans le cœur de Dieu. Vous me suivez bien Et il y a trois choses que je vais vous montrer rapidement ce matin, mais je vais insister sur une. La première de ces choses, ou plutôt les trois euh, partenaires de la mission, le premier partenaire, c'est celui qui prie. La première chose dont on a besoin pour atteindre les objectifs que Dieu a dans son cœur, d'aller gagner les âmes. Vous savez, vous savez, pendant que nous on a rempli la salle ici, Dakar deux, encore encore rempli. Amen. La ville est pleine, malgré que notre salle est pleine. Parce que souvent, dans l'esprit de l'église, on se dit bon, Dieu est satisfait quand on a rempli l'église. Amen. Mais en fait, une salle pleine, c'est relatif, ou plutôt une église pleine, c'est relatif. Si on repousse les si on dit bon à partir de maintenant, on fait culte non seulement le dimanche ici et on fait culte aussi dans la salle du bas, l'église n'est plus pleine. Vous êtes d'accord avec moi et si tu as une salle de 500 places et que la salle de 500 places est pleine, l'église est pleine. Mais si tu as une salle de 2000 places et il y a 500 personnes, l'église n'est plus pleine. Donc en réalité, Dieu ne juge pas la, les, les objectifs qu'il a dans le cœur en fonction de notre capacité à remplir l'église. C'est pour ça que l'église doit avoir une mentalité qui dépasse les murs de l'église. L'église doit avoir une vision qui va au-delà de, des murs. Parce que les murs sont des limites. Dieu, dans sa pensée, n'a pas de limite concernant l'évangélisation. Dieu veut sauver le monde. Dieu ne veut pas sauver notre bâtiment. Et si, si ce qui fait que l'Église se repose, c'est parfois le fait que on fait un premier culte, on fait un deuxième culte, parfois on fait un troisième culte. Et là, tous les cultes sont pleins. En semaine, tout est plein. Et dans notre esprit, on se repose parce qu'on se dit que Dieu a fait ce qu'il devait faire avec nous. C'est pour ça que Jérusalem, est une, la nouvelle Jérusalem est une cité sans mur. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, gagner des âmes, ça n'a pas de limite. Ça veut dire que si vous avez atteint un objectif aujourd'hui, Alléluia, gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y, a ce que, il, y a, il y a quelque chose qu'on faisait euh, c'est qu'on euh, appel, on appelait ça laver les vases. Vous savez, souvent, quand vous faites des exploits avec Dieu. Vous n'avez pas la capacité vite de bénir Dieu pour ce qu'il a fait et puis commencer demain à passer à autre chose. Souvent, quand vous faites des exploits avec Dieu, vous voulez contempler les exploits. Donc, on a souffert pour construire l'église. Quand l'église est remplie, tout le monde veut se reposer. Ah, vraiment, Dieu nous a donné du repos. Je crois que maintenant l'église doit s'appeler Réobot. Dieu nous a mis au large. Parce que l'Église, parfois, on a, et, et, et même à moi qui parle, à tout le monde, on a parfois ce petit... On, on, veut, on veut contempler ce que Dieu a fait, alors que Dieu veut faire pour qu'on lui rende grâce et qu'on passe à autre chose. C'est pour ça que j'ai un réflexe. Je dis toujours à, aux gens qui font la communication avec nous à l'Église, quand vous faites les photos d'un culte, et que le lendemain on a un culte, mettez la photo du, du culte d'aujourd'hui, là, mettez ça aujourd'hui. Parce que si vous mettez les photos d'aujourd'hui, demain, et demain, vous allez mettre ça quand Parce que souvent, on reporte, on veut, on veut admirer. Dieu est un Dieu qui va vite. Il y a beaucoup de travail. Amen. Et ce qui nous fait nous reposer souvent, c'est qu'on veut admirer, contempler, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Il faut être reconnaissant, mais il faut toujours effacer ce que Dieu a fait dans notre esprit. Après lui avoir rendu grâce, Seigneur, on n'oublie pas, mais on met ça quelque part dans le livre des souvenirs. On va s'en souvenir un jour. Et on va revenir dessus pour dire merci pour ce que tu as fait. Mais après ça, on fait quoi Vous êtes là Amen. Et si on n'a pas cette pensée, on ne peut pas être une église qui accomplit la pensée qui est dans le cœur de Dieu dans Luc chapitre 15. Regarde, on va dire, on doit passer à autre chose. Et il y a trois partenaires pour arriver à... À, 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 qui sont des partenaires de la mission. Parce que souvent, quand on parle de mission, je me suis rendu compte que ce qui fait que l'Église n'est pas concernée parfois, c'est que les gens se disent Moi, je travaille. Moi, je ne vais pas aller à, dans une ville au, à l'intérieur. Moi, je ne vais pas aller évangéliser, dans, etc. Ce n'est pas moi qu'on va envoyer en mission. Etc. Donc, beaucoup de chrétiens ne se sentent pas concernés par ça parce qu'ils ont l'impression que la mission, c'est celui qui prend son sac, son sac au dos, qui, qui prend ses affaires et qui va en voyage. Amen. Il y a trois partenaires dans la mission. Tout le monde dit trois partenaires. Le premier, c'est celui qui prie. Il n'y a pas de mission s'il n'y a pas de prière. La mission, en fait, s'accouche dans la prière. Ou, si vous voulez, les, 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 les circonstances d'une mission se préparent dans la prière. C'est pour ça que vous allez voir que dans, dans le livre de, de Josué, euh, lorsque Israël devait aller conquérir Canaan, euh, euh, il, y a eu, il y a eu des événements spéciaux dans le livre de Josué. Le premier événement spécial qui s'est produit, c'est que comment est-ce que les espions que Moïse envoie, les espions que Moïse envoie explorer le pays, tombent sur une dame qui s'appelle Rahab. Elle va les protéger chez elle et empêcher que les gens de la ville les prennent pour leur faire du mal, n'est-ce pas Et elle va même leur avouer que toute la ville craint votre arrivée. Vous êtes avec moi Ils n'étaient pas encore entrés dans la mission, ou plutôt ils n'étaient pas encore entrés dans le pays. Ils étaient en préparation d'aller en conquête. Mais en préparation de la conquête, quand ils vont en espionnage, parce que la prière a le rôle de l'espionnage. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans une terre qui n'a pas encore été conquise par Jésus. La première des choses, ou le premier espion que vous devez envoyer en mission, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Moïse dit, bon, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays. Je vais envoyer des hommes voir comment ce, ce pays se présente. Quand ils entrent dans le pays, ils tombent sur une dame nommée Rab. Et Rab va les garder chez elle. Parce qu'en fait, euh, la prière fait une chose. Premièrement, c'est que la prière prépare les partenaires sur le terrain dans la mission. Vous savez, quand vous allez en mission, que vous trouvez une famille qui vous accueille. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont prié. Amen. Quand vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous trouvez une dame qui peut vous faire à manger, qui vous regarde et qui dit Ah, oh, pasteur, tu es venu seul. Ah oh, non, je vais t'héberger chez moi. Il y a des gens qui ont prié. Amen. Et la mission commence par ça des gens qui restent peut-être à l'église. Des gens qui restent chez eux à la maison, qui ne voyageront pas comme les autres, qui n'iront pas gagner des armes comme les autres dehors, mais des gens qui vont se mettre en union de prière pour demander à Dieu de préparer les circonstances, d'ouvrir les chemins, de détruire les oppositions, de travailler avant que les gens qui doivent aller n'y aillent. Vous savez pourquoi la prière est importante dans la mission Parce que dans chaque territoire, il y a des esprits qui gouvernent. Et. Les puissances qui gouvernent un territoire doivent être traitées avant qu'on entre dans le territoire. Et la prière traite avec les forces qui gouvernent un territoire. C'est pour ça que même si tu ne vas pas en mission, la mission doit te concerner si tu peux prier, si tu peux au moins prier pour une ville. Vous savez, l'église, on doit arrêter de prier pour nous-mêmes seulement. Notre travail, notre mariage. Quand on dit de prier pour le mariage, tu vas toutes les soeurs vont battre les mains. Célibataire, hein? Elles vont voir le feu à gauche, le feu à droite Le feu derrière, le feu devant Le feu chez papa, famille de papa, famille de maman Les liens ceux-ci Elles vont couper avec des couteaux, couper avec des machettes Elles vont même prendre des armes tirer sur les liens Bon on dit maintenant prions pour la mission La soeur ne sait plus quoi dire Même si tu ne peux pas aller Première chose que tu peux faire c'est prier Regarde on va dire, tu peux prier oh, Dis ça bien s'il te plaît tu peux prier. Et une église qui est une église missionnaire doit être une église qui prie pour les âmes, qui prie pour les gens qui ne sont pas encore convertis, qui prie pour les, les zones qui ne sont pas encore touchées, qui prie pour les villes musulmanes, qui prie pour les villes où Jésus n'est pas encore entré, qui commence à se lever d'abord dans la prière et qui intègre la prière missionnaire à son système de fonctionnement. Vous êtes avec moi Vous êtes avec moi Deuxième chose. Deuxième chose, deuxième partenaire de la mission, c'est ceux qui donnent, c'est sur ça que je vais passer un peu plus de temps, c'est ceux qui donnent les moyens d'aller en mission, donc qui donnent financièrement de l'argent, financièrement des moyens logistiques, etc. etc. Et ça, c'est très important. Vous allez voir que les, les villes que le diable contrôle, suivez-moi bien, je vais aller doucement, quand le diable contrôle une ville, parfois il la contrôle en contrôlant son système de richesse. Quand vous lisez le livre de Luc au chapitre... Pardon, des de Apôtres au chapitre 16, vous connaissez toute cette histoire où Paul et ses camarades arrivent dans la ville de Philippe. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'il y, y a une dame qui était animée d'un esprit de Python. Vous connaissez ça Ok. Et, et la, quand Paul et ses camarades passaient, la dame disait à chaque fois, ces euh, hommes sont, sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et elle ne faisait que le répéter. Pendant plusieurs jours, la Bible dit, Paul se retourne et il chasse l'esprit qui parle à travers cette femme. Suivez-moi bien. Et quand Paul chasse l'esprit qui parle à travers cette femme, la Bible dit qu'aussitôt, les maîtres qui contrôlaient la femme, ou plutôt qui utilisaient l'esprit qui travaillait avec la femme pour se faire de l'argent, se sont levés. Vous avez déjà lu ça, hein Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire dit qu'ils vont même aller se plaindre aux autorités de la ville. Et les autorités de la... On avait mis Paul et Silas dans une prison de la ville. Et quand les autorités de la ville sont informées, ils vont demander qu'on retire Paul de cette prison et qu'on les mette dans la prison inférieure de la ville, dans la prison souterraine. En étudiant bien ce texte, je me suis rendu compte qu'en en fait, cette petite dame qu'ils ont rencontrée dans la rue, de laquelle Paul venait de chasser un démon, non seulement ne travaillait même pas pour ses propres maîtres, elle travaillait pour les dirigeants de la ville. Sinon, qu'est-ce qui dérange le maire qu'on ait chassé un esprit de la vie d'une femme. À cette époque, les prisons souterraines servaient à mettre les prisonniers les plus délicats, c'est-à-dire ceux dont on voulait vraiment traiter le cas sérieusement. Et on l'avait mis en prison simplement, on dit non, déplacez-le dans la prison inférieure. Ça veut dire que les autorités ont vu que si cette femme est délivrée de cet esprit, il y a tout le système de contrôle des richesses de la ville qui est. Écoutez-moi bien. La Bible précise dans l'Acte Apôtres, chapitre 16 que quand cette femme donnait des mauvaises prophéties, elle, ça servait à gagner de l'argent avec, à ses maîtres. Donc elle peut te voir, et dit, bon, Dieu me dit que tu t'appelles ceci, que tu as un problème de cela, tu n'arrives pas à enfanter. D'accord, envoie-moi 50 000 francs. Et c'était comme, comme quelque chose, quelqu'un que tout le monde consultait dans la ville. Donc avec un mauvais esprit... On réussissait à voler les richesses qui devraient être destinées à faire avancer l'évangile. On les récupérait avec un mauvais esprit. Regardez ce que les charlatans font. Qui a déjà allé chez un, un marabout ou un charlatan, quelque chose comme ça Oh. Jésus est bon, hein Moi, mes parents, avant qu'on se convertisse, mes parents allaient chez les marabouts. Il y a des choses qu'on te demande là. Souvent, tu rentres dans la chambre de papa et puis il y a un truc, une tête de ceci qui est accrochée comme ça. Souvent, il y, a un, il y a un féticheur qui vient, il dit que quand lui doit faire son travail, il faut qu'il dorme à la maison. Et on lui donne une chambre, on prépare pour lui. Et il dit ce qu'il veut manger. Quand on prépare, il dit non, ça, je ne mange pas. Ah. Nous-mêmes qui étions les enfants, on était jaloux de ça. On dit, ah mais ça, nous-mêmes, on mange. Et quand il doit partir, on doit lui donner beaucoup d'argent. Et vous ne savez pas combien. Bon, vous savez. Vous savez combien on peut investir dans un marabout. Vous savez combien d'argent on peut investir? Cet argent-là, vous savez ce que ça peut faire pour Jésus? Et c'est ce qui se passait dans cette ville de Philippe. C'est que le diable avait donné... À cette femme, la capacité d'avoir un esprit de Python, c'est un esprit de Python, c'est un esprit qui dit des prophéties. Un esprit qui dit des, mots, des, des fausses prophéties, ce n'est pas quelque chose qui est fou. Parce que, effectivement, ce que la dame disait, c'était que Paul et ses camarades sont serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est fou? Ce n'est pas fou. Un esprit de Python peut même te dire la vraie situation par laquelle tu passes. Hum mm hum. Parce que ce n'est pas en te disant ton faux nom qu'il s'est trompé, non, que c'est un d'esprit. Ce pas ça. C'est qu'il peut te dire exactement ce par quoi tu passes, mais il y a l'intention qui est derrière. L'intention, c'est de te soutirer de la richesse. Vous êtes avec moi Donc, il y a des gens qui te disent, non, tu, au travail, on t'a licencié. Je vois ton patron qui s'appelle ceci, t'appelle cela, mais avant que je prie pour toi, 150 euros. Vous n'avez jamais vu ça mmh, mmh. Le, le but de Satan, c'est que Satan sait que depuis la création du monde, les richesses de la terre doivent servir à l'objectif que Dieu a donné à Adam c'est de gagner le monde. Et subtilement, il utilise tous les esprits impurs pour vous soutirer de l'argent, pour contrôler le système de richesses des nations. Et chez cette femme, l'esprit que cette femme avait devait contrôler les richesses de la ville. Et on, là où on voit que la ville est contrôlée, c'est quand le maire lui-même, les dirigeants de la ville eux-mêmes s'impliquent dans l'affaire. Et Paul avait du discernement. Parce que Paul ne voulait pas juste chasser un esprit. Paul voulait délivrer la ville de Philippe de son système de contrôle des richesses. Parce que Paul savait que si la mission doit prospérer à Philippe, il faut que le système diabolique qui contrôle les richesses de la ville soit libéré. Vous savez qu'il y a de l'argent à Dakar Il y a suffisamment d'argent pour partir d'ici, aller toucher la corne de l'Afrique et revenir. Sinon, pourquoi les Chinois viennent pour, y a, y a, y a, On partait dans la ville, on a vu plein d'Indiens. Pourquoi les Indiens viennent S'il n'y a rien, est-ce qu'il y a des mouches là où il n'y a pas à manger Excusez-moi, je les aime. Pourquoi les gens, à chaque, jour, à chaque jour qui passe, pourquoi des gens viennent avec des affaires de l'étranger et atterrissent à l'aéroport s'il n'y a rien ici Mais pourquoi nous on en cherche et on n'en trouve pas Pourquoi est-ce qu'on veut aller dans telle ville juste à côté Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les moyens Parce que le diable ne veut pas juste contrôler les âmes. Le diable sait que ce qui sert à accomplir un agenda, un programme, c'est les moyens. Et le diable a contrôlé les richesses des nations pour atteindre ses objectifs. Pourquoi est-ce que les gens veulent avoir des, des gens qui sont de leur loge mystique et qui sont présidents? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le, la Bible dit dans, 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 dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que quand l'antéchrist viendra, tous les rois de la terre jetteront leur couronne. Pourquoi est-ce que lui travaille avec les rois? Parce qu'il sait que c'est eux qui contrôlent les nations et qui contrôlent leurs richesses. Si j'ai le président de la République, qu'est-ce que je n'ai pas Si tu es président, mon frère, on va acheter un terrain à Bethel. On va cotiser à Bethel pour dire, bon, on veut aller dans telle ville. Chacun donne dix mille. Tu vas permettre ça Et ça, le diable sait. Il n'y a que l'Église qui est naïve. Qui pensent que la provision pour gagner les âmes vient dans la prière seulement. La provision pour gagner les âmes vient aussi dans les moyens financiers. Ça vient aussi dans la capacité que l'Église a à mettre la main sur les richesses d'une ville, d'une nation, pour pouvoir financer la mission et gagner des âmes. L'évangile est gratuit, je vous l'ai dit dans la semaine. Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien. La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et dire Seigneur, je te reçois. La Bible celui qui croit du cœur, confesse de la bouche, est sauvé, il parvient au salut. Ça, c'est gratuit. Mais tout le reste du processus, la Bible dit plus loin dans Romains chapitre 10, comment est-ce qu'ils seront sauvés si personne n'est envoyé Et comment est-ce qu'on enverra les gens alors J'ai envie de compléter la Bible pour dire s'il n'y a pas d'argent pour les envoyer. Comment on les envoie On dit papa, laisse ta famille, va. À... Il y a quelle ville ici Ah Regarde, regarde le nom de la ville même. Kidugou. Et puis quand on te dit qu'on va t'envoyer à Kidugou, sans argent, frère. On dit bon, on n'a même pas le billet, même pour, eh, le ticket même de bus, truc. Hein. Il faut voir. Débrouille-toi. Vois avec maman. Si elle a gardé un peu d'argent dans le panneau, enlève ça. Va en mission. Toi-même si Dieu t'a appelé. Cette mission-là. Tu as dit que la nuit, tu as dit à papa que la nuit, je priais. J'étais dans un moment de prière et j'entendis la que quand les chrétiens, quand les chrétiens veulent, veulent, veulent nous mystifier, ils parlent, ils conjuguent ça au passé simple. J'entendis la voix de Dieu qui dit, nous fûmes d'accord pour que tu partes. Mais hélas, papa, je t'ai beaucoup respecté, mais vraiment Dieu m'a beaucoup parlé cette nuit. Je n'ai même pas pu dormir. Je voyais, j'entendais dans mon esprit Dakar, Dakar, Dakar. C'est parce qu'il n'y a rien pour aller. Tu sais que si tu vas, tu vas pas manger. Eh. Oui, euh, euh, je disais euh, que vous savez quand Dieu attaquait l'Empire romain parce que euh, dans Actes des Apôtres, on dit euh, lorsque Paul et ses camarades se retrouvent dans une certaine ville, on dit. Euh, les gens de la ville vont dire, voici les gens qui ont bouleversé toute l'Asie, ou plutôt qui ont bouleversé le monde. L'expression qui ont bouleversé le monde, dans certaines versions, on dit qu'ils ont bouleversé la terre habitée. La terre habitée, c'était l'empire romain, ce n'était pas tout le monde. Hein? C'est les Romains qui appelaient leur empire la terre habitée. C'était une expression politique pour faire penser aux gens qu'il euh, n'y a que Rome qui est Rome. Le reste, amen. Donc, en fait, Paul et Silas... N'avaient pas bouleversé le monde, ils avaient bouleversé l'Empire romain. Comment est-ce qu'ils ont bouleversé l'Empire romain Il y avait cinq points d'influence. Ils ont traversé plusieurs villes, mais il y avait cinq points d'influence par lesquels ils ont bouleversé tout l'Empire. Le premier point, c'était Jérusalem. Ils ont commencé à Jérusalem pour détruire à Jérusalem le système religieux de l'Empire romain. Parce que Jérusalem, c'était la capitale en griffe religieuse de l'Empire romain. Tous les juifs de l'Empire, comme vous lisez Acte des apôtres d'ailleurs, quand à la Pentecôte, où l'esprit tombe sur les disciples, la Bible dit que les gens étaient venus de partout, Crète, euh, 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 de l'actuelle Turquie, la Cappadoce, le pont, etc. Les gens étaient venus de partout de l'empire pour venir. À, et la Bible dit chacun entendait parler dans sa propre langue, n'est-ce pas Ça veut dire que Jérusalem était le point de convergence de tous les Juifs de l'empire romain. Donc Dieu, pour casser le système religieux de l'empire, il a commencé à Jérusalem. Il a détruit le système religieux, il a intégré le système religieux de l'empire, et ensuite Dieu va progresser vers une ville qui s'appelle Antioche. Tout le monde dit Antioche. Antioche était la troisième plus grande ville de tout l'Empire, après euh, Rome, qui était la capitale politique, et après Alexandrie, qui était la capitale culturelle de l'Empire romain. Alexandrie, c'est en, en Égypte. Euh, et, 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 et Alexandrie, Rome, Alexandrie deuxième, et troisième plus grande ville, c'était Antioche. Antioche était la capitale économique de l'Empire romain. C'était la plus grande ville en termes d'échanges économiques. Il y avait un port, c'est une ville qui est située en bordure de mer, et il y a un accès facile vers les villes qui sont plus à l'est. Et c'était la, la, la route, cette route existe aujourd'hui encore, on appelle la route de la soie. C'est la route qui envoie jusqu'en Chine. Donc il pouvait partir d'Antioche au bord de la mer, arriver jusqu'à l'est en Chine. Il pouvait descendre à Jérusalem, descendre en Égypte. Donc c'était une ville qui était bien placée au point où son activité économique était intense. Quand Dieu quitte Jérusalem, Deuxième point où il va déposer un centre d'influence, c'est Antioche. Antioche, qu'est-ce que Dieu allait faire Il allait infiltrer le système économique de l'Empire romain. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas gagner Rome si on n'a pas pris les, repris les richesses entre les mains de Rome. Amen. Et souvent, qu'est-ce que l'Église fait Bon, je termine. Après Antioche, ils vont ensuite progresser jusqu'à Éphèse. À Éphèse, ils ont traversé plusieurs villes. Mais à Éphèse, ils vont bâtir un centre d'influence à Éphèse. À Éphèse, qu'est-ce qui se passe C'est à Éphèse que vous allez voir que lorsque les gens se convertissent, on dit on brûlait les livres de magie à Éphèse. Parce que c'était des grands magiciens. Quand on, a, quand on fait la magie, et puis quand on a des livres de magie, c'est différent. Hum? Quand on a des livres de magie, ça veut dire que soit on a été enseigné dedans, soit on enseigne ça. Donc à Éphèse, les gens ne pratiquaient pas seulement la magie. C'était... Ils avaient la référence d'être une ville qui enseignait la magie. Chez nous, il y a une ville comme Korogo où on initie les, 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 les mystiques. C'est-à-dire on fait une formation de mystiques à Korogo. On abaisse à la forêt du Poro. On fait des initiations. Les gens viennent de tout le pays pour être initiés aux pratiques mystiques. Vous êtes là Partout il y a du mysticisme, il y a ceci, mais il y a des villes où on apprend le mysticisme aux gens. Ephèse était une ville comme ça. C'est pour ça que vous allez voir dans d'Apôtre, chapitre 19. Paul a passé deux ans à Éphèse à enseigner dans l'école de certain Tyrannus. Vous avez lu ça Il a deux ans à Éphèse. Parce qu'en fait, dans les, dans, les, dans les endroits où le mysticisme, et je crois que l'Afrique a beaucoup plus besoin d'enseignement de la parole de Dieu que de manifestations de puissance. Ça, ça c'est mon avis. On a besoin de miracles, c'est vrai. Mais je crois qu'on a beaucoup plus besoin de nous enseigner radicalement la parole de Dieu. Pourquoi Parce que quand vous sortez d'un arrière-plan comme Éphèse, vous êtes capable de dire et de mélanger la doctrine biblique avec les pratiques de fétiche. La sorcellerie. En Afrique, par exemple, vous allez voir que euh, euh, moi, je connais des gens à Abidjan où ils il, il prient avec des œufs. Ils cassent les œufs. C'est une action prophétique. On casse les œufs, etc. C'est la sorcellerie, frère. Et le vrai problème c'est qu'on a donné notre vie à Jésus, mais on n'a pas renouvelé le système de pensée. Et donc on sait Dieu avec notre arrière-plan mystique. Si je viens tout de suite dans une ville où les gens ont l'habitude de, de, de faire des sacrifices avec de, de, de l'huile rouge, de l'huile de palme, si je soulève une huile de palme pour dire cette huile est consacrée, vous allez voir, toute la ville va courir. C'est pour ça que Paul passe, Paul, vous savez, quand vous êtes un apôtre comme Paul. Passer deux ans dans une ville, c'est précieux. Deux ans de ta vie dans une ville. <laughs> si Paul prend le temps de s'asseoir à Éphèse pendant deux ans, c'est parce qu'il sait que pour casser le système mystique dans l'esprit des gens, il faut les enseigner radicalement. Et l'Afrique a besoin d'être enseignée. Amen. Mmh. On doit nous en faire asseoir. La Bible dit qu'il chaque jour pendant deux ans. Si tout de suite, on, papa dit Bon, chaque jour. Il y, a, il y a enseignement à l'église. Déjà, même le mardi, on ne te voit pas. Mardi. Moi, j'étais là mardi. Il y, a, il y a des gens qui ne pas là. Pourtant, ce, qu on ce que papa enseignait mardi, c'était extraordinaire. J'ai même acheté son livre hier. Ça peut régler un défi qui est dans ta vie. Chaque jour. Est on peut pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats de la Bible C'est parce qu'on n'a pas, pas l'engagement des gens de la Bible. Jour pendant deux ans, chaque jour, si c'était euh, ah papa aussi, n'a qu'à être un peu sage oh, quand même. On aime Dieu, mais chaque jour, en venir à l'église, vous allez le critiquer jusqu'à vague aussi. Que Dieu te pardonne. Et après Éphèse, ils vont monter vers euh, la ville de Corinthe à Corinthe. Euh, les autres villes étaient des villes juives. Si vous faites attention, il y avait des juifs dans la ville. Mais à Corinthe, il y avait très peu de juifs. C'était l'une des villes où il y avait le moins de juifs dans tout l'Empire romain. Et on appelait, on appelait Corinthe la cité du péché. C'est pour ça que ceux qui ont lu le livre de Corinthiens entièrement, les deux, les, deux, les deux lettres, ont été un peu choqués. Vous n'avez pas été choqué? choqués quand vous avez lu Corinthiens ah, Des gens qui sortent avec leur père. Et puis on adresse cette lettre, euh, pardon, les femmes de leurs parents, on adresse cette lettre-là aux gens de l'Église. Arrêtez de vous enivrer avec le vin. Ah, Frère, donc on fait la sainte scène les gars, ils passent derrière, ils prennent le vin, puis ils se tapent. C'est une église, c'est une église qu'on parle, oui ou non Paul écrit à une église, et puis il dit tout ça. Vous savez pourquoi Corinthe était comme ça Parce que Corinthe c'était une ville où il n'avait aucun arrière-plan religieux, c'était des pécheurs enduits. Il y a des pécheurs, puis il y a des pêcheurs hein Frère, toi, tu n'as pas pêché Il y a des gens qui péchaient, hein Ils pêchèrent Fais attention, il y a des gens comme Corinthe, à Corinthe, il y a le dieu des Grecs qu'on appelait Dionysos. C'était le dieu du vin et des orgies. Donc chez eux, adorer Dionysos, c'était beaucoup d'alcool, on est sous, et puis après, il y a toutes les femmes dans la maison. Donc quand ils sont venus à l'église, si on ne les a pas bien enseignés, quand ils voient le vin de la Sainte Seine, oh, 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 ils se rappellent. Là-bas, qu'est-ce que Dieu allait faire à Corinthe Il allait infiltrer le, 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 le noyau dur des pécheurs. Parce que dans, même dans tout le Sénégal, il y a des endroits où il y a un peu de catholiques, un peu de euh, protestants et tout ça. Mais il y a des endroits où il n'y a même pas un chrétien. Ça existe. Ou si vous. Quand vous allez aller là-bas, c'est comme si vous recommandez. Peut-être vous, certains sont sortis des églises catholiques. Moi, j'étais enfant de cœur à l'église catholique. Donc quand on te parle de, de Jésus, il y a déjà une résonance dans ton esprit. Mais il y a des gens là, Jésus, tu vas expliquer. Quand tu vas leur parler, on va vouloir te tuer même. Et dans toutes les, toutes les nations, toutes les régions, il y a toujours un endroit comme ça, stratégique. Cinquième endroit où ils vont aller, c'est Rome. À Rome, ils vont infiltrer le système politique de l'Empire romain. Le système quoi Politique. Parce que toutes les décisions se prenaient à Rome. Vous voyez que Dieu ne fait pas la mission par hasard. Et au cœur de tout ça... Vous allez voir pourquoi je vous cite tout ça, je termine. Parce que pour pouvoir aller de Antioche à Éphèse, de ceci ou cela. Quand Jésus parlait à ses disciples, il a dit commencer à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas Mais la chose que Jésus n'a pas dite, c'est que pour quitter Jérusalem, pour aller aux extrémités de la terre, il faut de l'argent. C'est pour ça que juste après Jérusalem, paf, ils sont allés à Antioche. Et vous allez lire vos bibles, vous allez voir que les missions de la, de, des actes des apôtres commencent à partir de actes des apôtres chapitre 13. Avant acte 13, il n'y a pas de mission. Parce que c'est en Tioche que l'Église a eu les moyens d'atteindre l'Asie mineure. Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous êtes avec moi Et nous voulons gagner ce continent à Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Vous savez, cette église est significative parce qu'il y a déjà toutes les nationalités. Ça veut dire que si on a les moyens, on peut te ramener dans ton pays comme missionnaire même. Si tu as cherché du travail au Sénégal, tu n'as pas eu frère, on a du travail pour toi. On va payer le billet. Tu vas retourner à Bangui où il y a eu la guerre. Tu vas réconcilier les cœurs brisés. Regarde ton moyen, il il y a du travail. Et si Dieu bénit financièrement cette église, elle sera un point d'influence à partir duquel l'Afrique sera influencée.